Les amis, à l'heure où on se parle, le Paris FC est dans la course pour la montée en Ligue 1. Et ouais, alors je sais pas si vous le voyez venir le truc, mais quand on y réfléchit un petit peu, Paris, ce serait pas la seule grande ville, la seule capitale, même des 5 grands championnats majeurs, à n'avoir qu'un seul club en Ligue 1. Et ben voilà, il y aura peut-être le Paris FC l'année prochaine. Donc nous, on voulait voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, s'ils étaient bien chauds pour monter et s'ils étaient prêts pour le sprint final. Vamos! Alors en fait, quand le gardien sort, il doit anticiper sur quelle couleur de tête le ballon va arriver. Voilà, pour travailler sa gestuelle en match et savoir sur qui le ballon va tomber. Ça s'appelle le turfu, les mecs. On n'a pas de pression particulière. Cette régularité depuis le début de saison nous permet de penser qu'il n'y a aucune raison que cette régularité s'arrête. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui attendent ça, des clubs parisiens en Ligue 1. Mais moi, ça ne fait pas grand-chose encore parce que le chemin est encore trop long pour se projeter à fond. S'il restait un match, oui, on peut commencer à faire des plans sur la comète, comme on dit, mais là, il reste encore trop de matchs pour vraiment se projeter. Je me suis demandé depuis 2 années pourquoi il n'y a pas d'autres clubs à part Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a des places. Il y a des places à tous les niveaux. Maintenant, est-ce que Destin va être avec nous, que ça arrive à Paris FC cette année? Mais je suis sûr que ça va arriver à Paris FC si ce n'est pas cette année, parce que c'est un club qui progresse. Je pense qu'il travaille bien. Moi, je suis ici depuis un an. Et je pense que si ça continue comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de chances que ça arrive très, très, très rapidement. Si je te dis le PFC barragiste à la 38e journée, est-ce que tu signes tout de suite? Oui. Tu signes tout de suite? Ouais, je signe. Bon, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. J'ai vu que ça tâtait un petit peu le ballon derrière là. Je vais aller me changer. On va leur montrer ce que c'est le football vrai. Tu vas pas jouer? Non, je vais pas jouer comme ça. Je vais aller mettre ma tenue de combattant. Ça va être lourd, lourd. Là, c'est l'échauffement. Du coup, je peux pas tout donner maintenant parce qu'après, il y aura plus rien. Donc, j'en garde un peu pour après. C'est là que les choses sérieuses commencent pour moi. Kylian Mbappé! Kylian Mbappé, il l'a vu! En vrai, je suis dégoûté, je pensais qu'il me restait des restes, mais il reste plus rien du tout. Je me suis affiché, non? Un peu. Ah, je... Elle est bonne la pelouse au moins. Vas-y, c'est bon, me parlez plus. Merci à vous les gars, je vous souhaite la montée, ça va faire. J'espère, hein. Allez. Allez, merci les mecs. Ouais, merci. Ouais. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.